10 femmes avec lesquelles Wizkid est sorti. L'artiste d'enregistrement, auteur-compositeur et interprète nigérien, plusieurs fois primé, connu dans la vie privée sous le nom d'Ayodeji Ibrahim Balogun, mais populairement connu sous le nom de scène de Wizkid, est actuellement considéré comme le plus grand artiste d'Afrique. Il est vraiment à un autre niveau en ce qui concerne la musique en Afrique, tout comme sa vie amoureuse. L'homme à femme et le PDG de Starboy Records ont été liés à un certain nombre de belles femmes au fil des ans. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Babadla est connu sur le nom de Starboy. Nadja Loaded vous présente ces jolies dames avec lesquelles Wizkid est sorti en l'espace de 6 ans de sa gloire. Dixième, Sophie Ramal. La première petite amie de Wizkid était Sophie Ramal. Ils ont commencé à sortir ensemble à ses débuts dans l'industrie de la musique. Au cas où vous l'auriez oublié, Sophie a figuré dans le premier single de Wizkid, Hola at Your Boy. Neuvième, Sola Ogudugu. Sola Ogudugu a un enfant avec Wizkid. Elle a révélé de manière choquante dans un post Instagram l'année dernière qu'elle était déviandigisée par Wizkid et c'est ainsi qu'elle est tombée enceinte. Pensez que je venais de commencer à avoir sexe à l'époque. J'étais juste frustré comme qui m'a envoyé. C'est drôle maintenant. Imaginez voir vos règles mensuelles à votre insu qu'il y a un bébé qui grandit en vous. Dieu est grand, a-t-elle dit. 8e, Tanto Daike. Il n'y a aucune apparition publique, aucun tweet d'affection et selfie. Il y a 5 ans, Wizkid et Tanto Daike ont eu une liaison qui aurait plus tard un statut mythique. Tout ce que nous avons entendu, ce sont des fortes rumeurs selon lesquelles la méchante de Nollywood était dans une histoire d'amour discrète avec Wizkid. 7e, Victoria Kimani. La rumeur disait que Wizkid et la diva kenyane Victoria Kimani sortaient ensemble. Wizkid a été surpris en train d'embrasser la chanteuse kenyane Victoria Kimani à l'hôtel Westland au Kenya. 6e, Uda Monroe. Le hitmaker de Joleba a été aperçu avec la mauvaise fille kenyane Uda Monroe à Nairobi alors que le chanteur était en tournée dans ce pays d'Afrique de l'Est. Uda Monroe est considéré comme quelqu'un avec qui on ne pouvait pas faire confiance à votre petite amie. Alors la rumeur dit que l'ancien colocateur de BBA The Chasse, Uda Monroe sortait avec le plus chaud hip-hop nigérien et R&B Starboy. Cela ne s'est pas arrêté là, a-t-elle poursuivi en publiant des photos romantiques d'elle et Wizzy sur Instagram. 5e, Chidima. Chidima Ikile, connue sous le nom de scène Chidima, est une auteure, compositrice, interprète, artiste d'enregistrement et interprète nigériane. En 2010, elle est devenue célèbre après avoir remporté la 3e saison de MTN Projet Femme West Africa. Wizkid a dit un jour qu'il avait le béguin pour Chidima. Dans ses j'ai un énorme béguin pour Chidima depuis longtemps. Elle ne le sait pas, mais c'est vrai. Étant un garçon en vedette, les choses se sont peut-être passées entre les deux. On ne sait jamais. 4e, Binta Diamond Diallo. Binta Diamond Diallo est un mannequin guinéen américain. Elle est également la 2e baby mama de Wizkid. Elle a posté un test d'ADN sur sa page Instagram en mai 2016, confirmant que Wizkid est le père de son fils. 3e, Seyi Shei. Connue sous le nom de Deborah Oluwaseyi Josua, elle est née le 21 décembre 1995, mais connu sous le nom de scène de Seyi Shei. Il y avait eu des spéculations dans le passé sur lesquelles Wizkid et Seyi Shei étaient dans une relation amoureuse. Seyi Shei semblait avoir tout donné dans sa vidéo Crazy où elle présentait Wizkid. La chanteuse a été aperçue dans une scène dans une posture très romantique avec le garçon Wizkid dans le clip réalisé par Meji Alabi. Cette vidéo présente un élément fort, Ciel du Soleil, et contient plusieurs scènes sexuelles explicites. La brève scène montée sur Seyi Shei attrape à l'entrejambe de Wizkid. La scène se passe à 2 minutes 15 de la vidéo. Il y a des rumeurs selon lesquelles les deux actes sont plus que des actes qu'on pourrait faire entre de simples amis. Dans la vidéo, il y a aussi une autre scène où Wizkid joue au tambour sur le derrière de Seyi Shei alors que la chanteuse le jouait. Eh bien, il semble y avoir beaucoup de chimie entre les deux stars. Serait-ce juste pour la musique au plus? 2e, Tania Mutayu. Pour une raison quelconque, nous sommes accros à l'histoire d'amour sans fin entre Wizkid et Tania Mutayu. Il semble être le meilleur couple de tous les temps, mais cela s'est avéré être une relation aigre quand Wizkid a enregistré un enfant avec le modèle guinéen basé aux États-Unis. Wizkid a révélé lors de l'émission Drive Time Watch Bemi sur le beat 99.9 FM, Wizkid était hésitant. Il garda le silence pendant quelques secondes et rit maladroitement. Mon ami va bien, nous sommes cool. Mais je suis célibataire maintenant, tu sais. Oui, je suis célibataire maintenant. Mais tout est amour.
J'ai de l'amour pour elle. Elle est comme ma meilleure amie de toute façon. A-t-il répondu à la question? Première, Justine Skye. La chanteuse américaine Justine Skye sur la petite amie actuelle de Wizkid. La popstar Wizkid a partagé une photo de lui embrassant sa petite amie présumée, la chanteuse américaine Justine Skye, sur sa page Instagram. Après avoir publié une photo de lui et Justine Skye, Wizkid a ensuite désactivé le commentaire qui, il le sait, sera repris de discussions et de bavardage sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend à bientôt pour une nouvelle vidéo.